Hello, hello, nouveau vlog. Ouh là là, cette lumière, je suis blanc. Nous sommes, je suis partie direction les cours et aujourd'hui je me suis maquillée. Ça fait longtemps. Mon gros voyou, mon gros voyou. Il est bientôt 13h40. Et aujourd'hui, je reprends à 14h. Ça c'est cool, ça laisse vachement plus de temps le midi. C'est reparti pour une après-midi de cours. Des cours sur mon partiel de lundi. Voilà. Pas beaucoup de temps pour les apprendre. Hein. Bon, il va être 17h30. À la base, je m'étais dit j'avais peut-être filmé une vidéo ce soir. Alors, en fait, ça va être révision, révision, révision. Donc là, j'ai pris mon goûter. Je voulais vous montrer des colis. Alors, il y a un colis que j'avais reçu. J'ai complètement oublié de vous le montrer. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la marque Mina Storm. Mais en gros, c'est une marque qui fait principalement des brassières. Bon, là, j'ai le petit mail sous les yeux. Donc, les trois gros points de la marque, c'est qu'elle est body positive, donc ils sont contre les retouches photos. Et ils choisissent les mannequins avec des morphologies différentes, ils sont pas en mode la personne parfaite, de te retoucher tout ça. Confort des brassières, donc il n'y a pas d'étiquette, pas d'agrafe. Et un coton de grande qualité, donc il n'y a pas que des brassières, je vais vous montrer. Un univers mystérieux et sauvage, shooting dans la nature avec des animaux sauvages, loup, aigle, chouette, marcassin, cerf. Chaque Mina Girl est une aventurière, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai remis tout ça dans son petit emballage parce que je l'ai trouvé trop chou. En plus j'ai réussi à l'ouvrir sans déchirer, j'étais fière de moi. Et du coup mon ensemble est là-dedans, je trouve ça trop chou. En plus après du coup vous pourrez utiliser cette petite pochette qui contient donc de petits produits. Du coup je les ai pas encore essayés en fait parce que je les avais mis de côté pour vous les montrer. Donc déjà il y a cette brassière, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros c'est doré. C'est un peu pailleté, je trouve ça trop chou. Et ici sur la bretelle vous avez le petit logo, je trouve ça trop mignon. Et j'ai le bas qui va avec, je crois que j'ai pris Shorty, je sais plus comment ça s'appelait exactement. Avec Mina Storm et une petite patte. Et je trouve trop mignon et c'est vrai qu'ils sont super doux, j'adore la matière. Donc faudra que j'essaye la brassière, je sais plus en quelle taille j'ai. C'est écrit là, c'est 85, j'ai dû prendre 85C, je sais plus. Il suffit que je regarde ce que j'ai dit à la marque, hein. Ouais j'ai pris 85C et le bas j'ai pris 34. Donc on va essayer, mais en tout cas ça a l'air super confortable. Et je porte pas souvent ce genre de brassière pour sortir, mais chez moi j'aime trop en mettre. Voilà, parce que c'est hyper confortable. Du coup je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Ensuite j'ai reçu ce livre, donc mon ex, sa copine, son faux mec et moi. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est en relief, je pense que vous voyez pas trop. Mais tout ça c'est en relief, il est trop beau ce livre, donc c'est en édition de Noël. Donc c'est l'histoire de Chloé Martin. Puis vous voyez, c'est un petit livre qui coûte pas trop cher. Donc là, moi, c'est service presse. Voilà, voilà, j'ai trop... Ah, j'adore, c'est des pages toutes fines. J'ai tellement hâte, là, de finir mes partiels parce que j'ai plein de livres à lire et j'attends que ça, quoi. Ah, là, on voit mieux. En tout cas, la couverture est vraiment magnifique. Et sinon, sûrement un peu moins joyeux, c'est Nugène. Elle a fui les bombardements d'Alep et traverser l'Europe en fauteuil roulant. Un livre acheté à 1€ reversé à l'UNICEF, ça c'est cool. Donc celui-ci pareil, il coûte 6,99€. Donc voilà, ça m'intéressait beaucoup. Donc ça pareil, je vous le montre ici, mais c'est un livre que j'ai reçu pour le montrer sur mon Instagram. Ah, il y a des photos à l'intérieur et tout. En tout cas, j'ai trop hâte là de lire tous ces livres. C'est vraiment intéressant. Bon, sinon il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. Du coup j'ai guetté un petit peu les commentaires, là je vais regetter. Et ensuite c'est reparti, je retourne à mes révisions, et oui, demain, deux premiers partiels, processus inflammatoire et infectieux, et anglais. Et sachant qu'anglais j'ai pas trop, j'ai pas revu plus que ça, j'espère que ça ira. J'ai pas trop à quoi m'attendre parce que l'année dernière l'anglais nous on avait juste, sur ordi en fait on avait juste un nombre d'heures à faire, et là on a un nombre d'heures qui nous fait avoir 3 points sur notre partiel écrit, et on a partiel écrit en plus. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, et jour partiel des jeux électriques. On remercie mon écharpe pour ça. Bon, ce matin je me suis réveillée assez tôt, j'avais le temps. Comme ça j'ai pu relire pendant genre une demi-heure mes cours. Et là c'est parti, on y croit. Bon les gars, ça y est, première matinée de partiel, c'est fait. La 2.5 je pense que ça va. Après on verra bien, et l'anglais c'est sous forme du QCM, donc j'en ai aucune idée. On verra, il y a des trucs c'était super simple, il y a des trucs c'était assez compliqué. Donc bon, comme c'est un QCM, c'est un peu pas de la chance, mais voilà, quand tu sais pas trop, tu mets au pif, donc on verra bien. Enfin, je mets pas vraiment au pif, je mets en fonction de ce que je pense. Donc là, c'est cool parce que j'étais censée, du coup, ça dure jusqu'à midi l'anglais, donc j'ai fini plus tôt. 50 questions, t'as juste à crayonner une case, voilà, ça prend pas 10 ans. Du coup, c'est cool parce que je reprends à 13h30 et quand je finis à midi, bah, pour le temps de faire à manger et tout,
ça me laisse pas beaucoup de temps le midi. Donc là c'est cool, je rentre à la maison, il fait beau, il fait chaud. Bon, me voilà rentrée et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres? De gros colis. Je suis trop contente. Première chose, c'est l'eau de toilette, la Nuit Trésor de Lancôme, je vais vous le montrer. Ma soeur l'avait reçue et en fait à la base ma maman me l'avait emmenée parce qu'elle pensait que c'était un colis pour moi. Bref, du coup je l'ai rendu à ma soeur, mais je l'avais bien aimé. Du coup quand je l'ai vu sur Octoly, je me dis cool, je vais enfin pouvoir l'avoir pour moi. En plus il est beau je trouve. Donc voilà à quoi il ressemble. Je me souviens plus trop de l'odeur. Il sent bon, j'aime beaucoup. Et le deuxième, ah je sais, ça se sent. C'est une bougie My Jolly Candle et c'est linge frais, je pense que vous pouvez voir hein. C'est du linge. Et à l'intérieur, c'est un collier. Donc tous les bijoux, ils sont faits avec des cristaux de Swarovski. Donc ça, c'est top. Ça sent vraiment, en fait, ça sent un peu la lessive. Je sais pas si vous avez ça, mais je sais que chez mes parents, on avait une buanderie. Et du coup, dans cette pièce, quand la machine venait d'être faite, ça sentait la lessive. Et j'adore cette odeur. Ça sent le propre, ça sent le frais. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et leurs bougies, vraiment, elles sont trop belles. C'est genre une matière un peu mate et c'est tout lisse. Trop beau, quoi. Et une fois que ta bougie, elle est brûlée, tu peux te servir pour un pot à crayon ou n'importe quoi. C'est trop bien. Franchement, elles sont trop jolies. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Là, je vais faire de l'écrasage de carton. Donc là, je vais guetter ce que je fais à manger. Ce matin, mon copain a dit qu'il avait bien envie de petits poissons panés. Donc je vais faire ça. Je vais peut-être faire des légumes quand même avec... Je pense que je vais faire avec du riz et avec je ne sais pas quoi encore. Il reste une courgette, on va faire ça. On va retourner en course parce que pour la semaine pro il n'y aura plus grand chose. Et sinon ce serait bien que je commence à monter ce vlog parce que du coup je pense que je vais faire un vlog de là jusqu'à ce que je parte demain. Parce que demain je pars à Cannes, je vous l'ai dit dans le vlog d'avant. Et du coup je suis trop contente, là j'ai vu un peu le planning donc je vais pas vous en parler plus que ça. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Donc pour le poisson pané en fait c'est des bâtonnets panés de Colin d'Alaska 100% filet. C'est pas les poissons panés en mode tu sais pas trop quel poisson il y a à l'intérieur quoi. Hop, j'ai préparé ma vaisselle. Oui parce que moi je prépare, je range et puis je la ferai après quand ça cuira un peu. Enfin genre là j'ai fait préchauffer le four pour les poissons panés et tout. Et je ferai la vaisselle. Ah c'est ce que c'est chaud. Je ferai la vaisselle quand il faudra surveiller la nourriture quoi. Non mais j'étais en train de chercher mon appareil photo alors que je filme avec. Tout va bien. Du coup là je vais commencer à tout mettre sur l'ordi pour tout commencer à monter comme ça ce soir le vlog sera terminé de monter. Je pourrai le mettre en ligne parce que demain matin je pars... Je pars assez tôt, je crois que je pars à 7h45 ou un truc comme ça. Du coup, je serai pas le temps demain matin. Ce soir, je vous montrerai aussi, il faudra que je prépare mes affaires. Je sais pas encore si je prends ma valise ou pas. Je prépare ma tenue. Et en fait, j'hésite trop sur les chaussures. Hier, je me suis amusée à marcher avec mes chaussures et tout. À la base, je voulais mettre une paire. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais encore jamais mis cette paire. Elle est en 37, elle est à peine serrée. Et surtout, il n'y a pas de plateforme devant et je sens que je vais mourir des pieds. J'avais tellement mal aux pieds, je me rappelle l'année dernière. Alors que je les avais enlevés pendant la cérémonie en fait, on était dans la fosse. Du coup ça se voyait pas que j'avais pas mes chaussures. Voilà. Du coup je vais voir, j'ai peut-être une idée pour la tenue. On verra, on verra. Voilà, j'ai fini de faire à manger. Il est quelle heure? Midi 17, bon, mon copain finit à midi et demi. Il réchauffera peut-être. Donc voilà, nos petites assiettes sont prêtes. Bon c'est pas le repas de fou hein, mais ça ira très bien. Ça y est, c'est le week-end. Chance, je vais me prendre pour une fille bizarre. Heureusement, il n'y a personne qui voulait rentrer dans le garage. Ça fait 7 minutes que je suis devant mon garage. Non, moi. Parce que j'étais au téléphone pour un truc pour demain. Bref, vous verrez dans le prochain vlog et dans mes snaps et stories, tout ça. Mais voilà, ça va être trop bien. Bon, j'ai préparé mon petit goûter. Fromage blanc, j'ai mis un peu de flocon d'avoine aussi. Et mes petits riz rouges, la base. Voilà, là, je vais en même temps regarder des vidéos et réfléchir à ce que je vais tourner. Alors, il y en a une. En fait, c'est une vidéo que j'avais déjà tournée pour une marque et en fait, il y a des trucs qui font pas. Du coup, je suis obligée de la refilmer. Ça, c'est fantastique car j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais bon, j'ai pas trop le choix parce que vous verrez, en fait, c'est pour un truc qui sort la semaine prochaine. Du coup, bah, il faut que ce soit fait absolument là quoi. Je peux pas décaler la date parce que si je fais ma vidéo alors que le truc est sorti il y a 3 semaines, ça va pas trop le faire. Et une autre vidéo qu'il faut que je tourne pour ma chaîne pour lundi. Enfin, je vais d'abord privilégier la vidéo là que je dois faire. Et si j'ai pas le temps pour lundi, bah tant pis. Parce qu'en plus, il faut que je monte ce vlog absolument. Il faut que je prépare pour le vlog de demain. Enfin bref, je prépare ma valise aussi, ma tenue. Bref, encore 10 milliards de choses à faire ce soir. Heureusement que j'ai fini un petit peu plus tôt. Enfin, une demi-heure plus tôt, c'est pas non plus la folie quoi. Mais bon, voilà quoi. Bon les gars, il est actuellement 19h04. Je viens de filmer 2 vidéos. Si vous voyez cette bouche,
Vous comprendrez dans la vidéo de lundi, je ne peux pas vous montrer mon visage entièrement sinon je vous spoilerai. Mais c'est vraiment immonde. Donc il est 19h05, j'ai monté aucune vidéo, j'ai pas du tout fait ma valise. Donc là actuellement je suis dans le caca, voilà. Du coup je vais pas vous montrer ma préparation de valise tout ça parce que je pense que je vais la faire assez tard. Et du coup on se retrouve normalement mercredi, enfin bon. Mettez la petite cloche sur ma chaîne de vlog et vous serez au courant du prochain vlog. Et le prochain vlog sera le vlog à Cannes. Et j'espère qu'il sera cool. Et je pense que ce sera cool. Voilà, parce que je retrouve Léa notamment. Et qu'on va voir plein d'artistes, tout ça au Energy Music Award. Et que ça va être trop bien. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à la semaine prochaine.